Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante, story time. On va parler du bac pro commerce parce que faut que je t'en parle de cet arc. C'était vraiment incroyable le bac pro commerce. Franchement, c'était dur, mais faut que je t'en parle un peu de tout, que ce soit positivement, négativement, mais surtout mon ressenti et mon parcours. Alors, déjà, faut savoir une chose, c'est pas une filière que j'ai choisie. J'ai pas choisi d'aller en bac pro commerce. J'ai été jeté dedans à mon insu. Je voulais pas faire ça. Au collège, en fait, c'est simple. Quand il y avait les filières à choisir, que ce soit général, les technologiques, électrotechniques, enfin les trucs électroniques et tout, et ben quand t'étais vraiment trop mauvais et qu'il n'y avait aucun espoir pour toi, ben on t'envoyait en commerce directement. On disait, bon, toi, vu tes résultats, tu allais en commerce. On te laissait même pas choisir. Même si tu disais, ouais, moi, je suis en la... Non, commerce. Tu fais électronique, mais va en commerce, c'est mieux pour toi. Donc, on te laissait pas le choix. On te pétait commerce d'office sur toutes les lignes. Et ça, c'était problématique. Bon, après, je te cache pas, au collège, j'étais ce qu'on appelle un cancre. Vraiment. Un cancre de service. Le rigolo de la classe. Donc, c'était vraiment compliqué. Ça veut dire que. Moi au collège, c'est simple. Dès que je rentrais dans la classe, le prof préparait déjà sa feuille d'exclusion pour dire, bon, toi, voilà, la feuille est là, il pré-remplissait nom, prénom, numéro de classe, tout. C'était pré-rempli pour moi. Comme ça, à la première vanne, c'est bon, je pouvais sortir, aller retrouver mes collègues dans la permanence. Tu vois, moi j'étais déjà rodé au collège. C'était très très dur pour moi. Donc je me prépare tranquillement pour aller au lycée. Je me prépare pour ma rentrée, je me suis dit, bon là, je vais leur montrer qui est qui, tu vois, parce que j'avais un objectif, c'est clairement, c'était faire rire les autres, faire rire la classe et tout, parce que de base, je suis quelqu'un qui sortait pas, qui n'avait pas le droit de sortir, qui n'avait pas le droit de m'amuser dehors. Donc, l'école, pour moi, c'était le meilleur lieu et le meilleur terrain de jeu pour m'amuser, rigoler, faire des blagues. Parce que oui, quand tu peux pas sortir et tu peux pas rigoler dehors, quand tu peux pas un peu relâcher tout, et ben tu le fais à l'école. Tu fais rire les gens à l'école. Et ben voilà, je suis arrivé à la rentrée du bac pro commerce. Déjà, en fait, ce qui était marrant, c'est que on était dans un sas où il y avait tout le monde, filles, garçons. Dans le lycée où je suis allé, il y avait plusieurs filières. Il y avait des filières de commerce et des filières de gestion, administration et comptabilité, tu vois. Les premières filières de compta, eh ben on les fait. Ça veut dire que toutes les filles, elles partent. Il reste plus beaucoup de filles. Ça veut dire que dans le amas de mecs, il doit rester 6 ou 7 filles pour 5 classes. J'ai fait, ah ouais, ça va être compliqué. Parce que oui, quand tu es jeune et tu es à l'école, bah les filles, c'est un petit facteur de motivation pour dire que ouais, voilà, je vais plaire et tout, ça va être intéressant. Alors que là, c'était pas intéressant. On épelle ma classe, il y a deux filles dans la classe. Deux filles dans la classe. Que des mecs. Classe de 22. C'était incroyable. On arrive tranquillement. Je regarde mes camarades. Déjà, au niveau ethnie, ça change parce que là, on est tous pareils. On est tous les mêmes. Tous issus du même endroit. C'est très compliqué. Et je vois un mec, il arrive en retard, avec sa capuche, il veut pas la retirer. Et quand il la retire, enfin quand le prof le dit de la retirer et demande ses objectifs de vie, il a dit, moi je vais foutre la merde. Tu vois, en fait, à ce moment-là, lui, il a montré qu'il était le boss, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, attends, normalement c'est moi qui dois faire rire les autres. C'est pas normal ça. Pas normal que là on me vole la vedette. Mais dès que j'ai vu que le mec il attend pas de bien rentrer dans la classe, de laisser une petite semaine de repos pour faire chier le monde, je me suis dit non, franchement, il y a vraiment des gens plus forts que moi. Il y a vraiment des gens plus forts que moi. Et honnêtement, c'est la première fois que je voyais plus con que moi. C'était incroyable. Ça veut dire plus con en termes de comportement. En termes de projet de vie, en termes de vie, en termes de tout. Je me suis dit, en fait, lui m'a dépassé en tout. C'est incroyable. Et plus les jours, les semaines, les mois sont passés, plus le caractère de tout le monde s'est révélé. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, franchement,
Moi, ce que j'ai fait, c'est de la rigolade. Quand j'écoutais le palmarès de tout le monde, je me suis dit, j'ai pas le niveau. C'est mort. J'ai pas le niveau. Il y a plus contre moi partout. Donc, je n'avais pas le choix d'être le meilleur élève de ma classe. Parce que pour moi, c'était la seule façon de me faire remarquer. Parce que moi, en fait, je voulais me faire remarquer. Soit en faisant le cassos, soit en étant un bon élève. En étant un bon élève, ben, je me fais remarquer. Différemment, mais je me fais remarquer. Et du coup, je me suis remarqué de cette manière-là. J'étais devenu le meilleur élève de ma classe. C'est incroyable. Et quand je te dis meilleur élève, c'est pas juste meilleur élève, non, c'est vraiment bon élève. Un élève qui rentre, qui révise, qui réécrit ses cours, qui essaie de comprendre des choses, qui envoie un message à son prof quand il comprend pas. J'étais cet élève-là. Franchement, j'étais fou. J'étais délégué, les gars. Délégué. Bon, j'étais vraiment un délégué sournois. En fait, c'est vraiment là où j'ai compris que les présidents, et voilà, tu vois. Parce que quand j'étais délégué, j'ai tout fait. Je suis venu au tableau, j'ai parlé de mes motivations, j'ai parlé de mon désir d'aider tout le monde. Mais dès que j'arrivais en conseil de classe, alors là, à pas me défendre moi, je défendais personne. Et moi, j'étais le genre de mec où on me disait, ouais, lui, voilà. Je lui ai mis un avertissement travail et conduite, mais je vois qu'au niveau conduite, il parle un peu moins, il essaie de travailler. Et toi, dame, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'étais là. Moi, je pense qu'il faut lui mettre travail, conduite, tout, hein, parce que c'est pas normal, ça. Moi, il m'empêche de travailler à certains moments et il choisit un peu ses cours ou reste sage, tu vois, parce que au niveau des cours, justement, quand j'étais en seconde, et bon, on n'avait que des profs typés français. Tu vois? Dès que j'arrive en première, en terminale, c'était plus compliqué. Et les profs typés français, dans une classe où t'as que des gens issus de la même communauté qui fout la merde, et ben c'est compliqué. Les profs partent en pleurant, les profs craquent, les profs crient, pètent un câble, insultent les élèves parce que voilà. Dès que j'arrive en première, terminale, là, on a eu droit à l'Akatsuki des professeurs. Ils nous ont ramené des professeurs comme nous. Pareil. C'est-à-dire que les professeurs seraient peut-être nos grands frères de la cité. Clairement. Les professeurs, ils sont là à la rentrée. Ils se présentent. Et clairement, hein, chacun des professeurs de chaque matière, pour la plupart, ils disent, enfin des matières les plus importantes, s'il y a un problème entre vous et moi, à la pause, on s'enferme dans la salle et on parle. Et ça, bah, ça a arrangé tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est calmé. Ils ont mis des profs comme nous, ça a calmé tout le monde. Ça, c'était incroyable. C'était très, très bien. C'était un très, très bon move. Parce que moi, qui étais un bon élève, eh bah, c'était plus dur d'être le bon élève. Mais j'ai quand même eu les bonnes habitudes que j'ai prises en seconde pour devenir le meilleur élève. Donc, c'était bien, c'était intéressant. Mais franchement, en tant que délégué, j'étais incroyable. J'étais le mec. Ah, fallait pas me faire confiance. En plus, il faut voir les gens. Ouais, dames, t'inquiète, tu me défends que c'est de classe. J'étais là, mais bien sûr. Mais bien sûr. Fais confiance en moi. Je suis dames quand même. Je suis là, je vais défendre tout le monde. L'honneur de la classe est entre mes mains. Je vais me lever, je vais parler et tout. Alors que non. On arrive à moi, ouais, dames. Alors, résultat, très bon élève, hein. On sent que là, vous avez eu 15 de moyenne. De base, vous avez 17. Vous êtes un peu relâché, mais bon, c'est pas normal. J'étais là, oui, c'est un peu plus difficile parce que voilà, je me concentre sur la matière plus principale et tout. Mais bon, c'est un peu chaud et tout. Mais comprenez, donc j'étais bien. J'avais des félicitations à chaque fois et ça, c'était important pour moi. Et tu vois, le bac pro commerce, c'est très très dur et très très lourd à porter parce que quand tu te sépares de tes potes de collège pour le lycée, et ben tes potes qui sont en général technologiques et tout, ils te regardent de haut. Il te regarde de haut, il te regarde en mode, ouais, toi, t'es une merde, tu vois. En mode, t'es en bac pro, tu sers à rien, t'es là, et voilà. Mais quand tu retournes, enfin, quand tu avances dans le temps, tu vois que ces gens-là, ils travaillent dans les stages que toi, t'as fait. Tu vois que ces gens-là, bah, leur bac pro général n'a pas servi à grand-chose. Tu vois que ces gens-là, eh ben, ils n'ont pas évolué. Et dans les bac pro commerce, pour la plupart de mes amis, on va dire certains que je connais,
C'est là où la plupart des gens ont entrepris des choses et investi des choses. Et ça, c'est important, il faut en parler. Parce qu'en fait, le bac pro commerce, il t'apprend plein de choses dans la vente. Il t'apprend plein de choses niveau marketing. Et toi, c'est soit dans ta tête, tu fais le con, donc tu veux pas écouter, tu veux pas apprendre, ou soit tu dis, ah mais en fait c'est intéressant ça. Parce que si ça, je l'utilise pour faire des trucs, je peux aller loin, je peux créer une entreprise, je peux gérer des choses, je peux gérer une équipe, je peux étudier les conflits, je peux faire plein de choses. Zone de chalandise, je peux faire plein de choses. En fait, on t'apprend plein de choses en commerce non négligeables quand tu veux te lancer dans n'importe quel domaine. Et ça, c'est intéressant, il faut en parler. Parce que tu fais plein de choses, tu fais plein de choses, tu apprends plein de choses. À savoir, quand tu fais un bac pro commerce, et ben tout ce qu'on t'apprend dans le bac pro commerce et dans le BTS MUC que j'ai fait juste après, et ben on t'apprend déjà des tâches de chef de rayon, de manager, de directeur du magasin. Ça veut dire que tu vas apprendre toutes ces tâches-là. Du début jusqu'à la fin de ta scolarité, tu vas apprendre toutes ces tâches-là. Quand tu viens en stage en magasin, eh ben, bah, tu apprends le métier. Ça veut dire que tu deviens beaucoup plus autonome que ceux qui sont en général et qui font aucun stage. Donc ça, c'est intéressant. Tu es là en magasin, tu es là, tu apprends à faire des choses, tu es en rayon, tu ranges, tu vends, tu apprends à vendre. T'apprends à savoir des chiffres, t'apprends à connaître ce qu'il y a à connaître, même si que la plupart du temps, on va t'exploiter, vraiment, 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 on va t'exploiter jusqu'à la fin. On va prendre toute l'énergie qui est en toi et tu vas la mettre dans le facing et le rangement de rayon. C'est comme ça, malheureusement. Mais c'est formateur. Et moi, dans tous les stages que j'ai faits, eh ben, il y a un magasin précis où j'ai fait mon stage dedans, j'ai vraiment kiffé le stage, j'ai bien apprécié. Et j'ai pu travailler très longtemps, 6 ans de ma vie juste après, en temps partiel, et évoluer et tout. Et franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. J'ai pu apprendre plein de choses. Et ça, c'est intéressant. Donc, tu te fais des contacts pour évoluer par la suite et gagner des sous plus tard. Ça, c'est bien. Et aussi, il y a un stage qui mérite une story time. C'était un stage dans un magasin de jouets. Franchement, c'était le pire stage que j'ai fait de ma vie. Incroyable. Je t'en dis pas plus, je réserve une story time pour ce stage-là. Pour tous ceux qui vont en bac au commerce ou qui sont en bac au commerce, je sais que c'est dur, mais faut pas culpabiliser. Faut vraiment pas culpabiliser. Faut pas se dire, vas-y, c'est bon, c'est fini, c'est compliqué, c'est chaud. Parce que tôt ou tard, vous allez tous vous retrouver au même endroit. Tôt ou tard, quand il faudra travailler, vous allez postuler au même endroit. Avec les gens qui sont en général et tout, parce que très peu de gens poursuivent et continuent les études. Sachant qu'il y a plein de gens qui vont poursuivre, qui vont continuer les études, qui vont faire des bacs plus 2, des bacs plus 3, des masters, et qui vont travailler au même endroit que toi. Parce que ça, c'est vrai, tu vois, c'est vrai, il faut le dire. C'est triste, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils ont des masters, ils se sont retrouvés avec moi en train de ranger les rayons. Tu vois, il y a des gens, ils ont des doctorats, ils ont consacré beaucoup de temps dans leur vie, dans les études, et au final, ils sont caissiers ou ils ont d'autres jobs, mais pas à la hauteur de leur diplôme. Parce qu'il y a plein de travail dans des grandes entreprises qui te font signer une feuille ou des feuilles en disant que tu ne reconnais pas tes diplômes, pardon, supérieurs au bac. Parce que ils peuvent pas te payer à la hauteur de tes diplômes. C'est pas possible. C'est très compliqué. Quand tu veux avoir un travail à la hauteur de tes diplômes aujourd'hui, eh ben faut déjà avoir de l'expérience, tu vois, parce que les entreprises aiment bien avoir des gens qui ont de l'expérience et les diplômes. Comme ça, ils forment pas et ils sont bien. Mais quand tu as les diplômes, t'as pas l'expérience, ils vont te dire, oh, faut le former, faut faire ci, je sais pas s'il va rester, je sais pas s'il va kiffer, ça se trouve va pas kiffer, donc voilà. Donc, c'est de la perte de temps et d'argent. Donc, les entreprises, ils n'ont pas confiance. Donc, ceux qui deviennent diplômés, surdiplômés et tout, c'est très, très chaud pour eux. C'est pas impossible, rien n'est impossible, mais c'est très, très chaud pour eux. Sachant qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plein de métiers qui sont très, très bien payés et tu peux te former directement sur Internet. Je vais parler de mon cas. Je fais de la vidéo. Que ça pour moi, pour YouTube, comme tu regardes et tout, mais j'ai ouvert une entreprise et monté une entreprise
où je fais la vidéo pour plein de personnes, des clients, que ce soit des gens comme toi, comme moi qui ont des vidéos pour les réseaux sociaux, des sociétés, des entreprises, des auto-entrepreneurs. Et je fais ça, et je gagne mes sous grâce à ça, et ça, c'est intéressant. Et je ne vais pas te mentir, le bac pro commerce m'a aidé un tout petit peu à gérer ça en amont et à me préparer à faire ça. Mais en revanche, quand tu es en général, c'est un peu plus dur. Tu peux avoir des envies d'entreprendre, de faire des choses, des envies de créer ton propre truc, mais tu n'auras pas la même fin qu'un mec qui a fait un bac pro A. Parce que le bac pro, nos conditions, ils sont dures. Nos conditions, ils sont dures pour ceux qui font pas de bac pro, qui sont partis en général ou qui sont en général. Déjà, bien joué à vous, mais nos conditions, ils sont dures. C'est compliqué. C'est dur de suivre. Les gens, ils font pas d'efforts. Sachez que le bac pro, enfin, là où j'étais en bac pro, on a réuni tout ce qu'il y a de mauvais dans tous les lycées, enfin dans tous les collèges, et on les a envoyés en bac pro commerce. Donc c'était vraiment dur d'apprendre. Mais si tu fais l'effort d'apprendre, si tu fais l'effort, le minimum, eh ben tu vas aller loin et c'est vraiment intéressant et tu auras faim pour très très longtemps. En fait, je suis en train de réfléchir, mais les mauvais côtés du bac pro commerce, ben, c'est juste ça. C'est juste que la plupart des gens qui y sont, eh ben, le travail, ils ont du mal. C'est ceux qui ont du mal, des difficultés à travailler, des difficultés à retenir, à apprendre. C'est ceux qui ont du mal, on les envoie directement en bac pro commerce et ça va être dur parce que quand plusieurs cassos se retrouvent entre eux, eh ben, tu as envie de faire rire. C'est un peu le concours de qui sera le plus con, qui sera le plus drôle. Et ça, c'est compliqué quand tu as envie de travailler. Quand tu es sensible aux blagues, tu vois, t'écoutes, ça te fait rire, t'aimes bien rire, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, c'était très compliqué, mais j'ai réussi à m'accrocher. Et sachant que c'est bénéfique, tout ce qu'on t'apprend, c'est bénéfique pour la suite. Par contre, j'ai envie de dire un truc important par rapport au collège, aux profs de collège, c'est que eux ont un impact sur toi, que ce soit positivement ou négativement. Et moi, je me rappelle quand on faisait des cours sur l'orientation professionnelle, sur ce qu'on voulait faire, est-ce qu'on avait des métiers de prédilection en tête, ou je sais pas, des choses qu'on veut faire. Moi, je sais que je dessinais beaucoup à l'époque. D'ailleurs, je voulais aller dans une école d'art, mais j'ai pas pu aller suite à mes résultats scolaires, parce que je vais faire un bac pro dans ça. Mais bref, j'ai dit que voilà, je voulais être architecte d'intérieur, ou voir agent immobilier ou même créer des choses. Parce que moi, j'étais dans la création. J'étais passionné par tout ce qui est, par tout ce qui était maison, ameublement, rangement, design et tout. Parce que je kiffe ça. Et le prof qui était conseiller d'orientation, parce que c'était pas un vrai conseiller, c'était un prof, il m'a dit, pense à autre chose. Tu feras jamais ça. Un mec comme toi, avec tes résultats scolaires, ne pourra jamais faire ça. Il m'a dit ça mot pour mot, ça a tué toute ma journée, tout mon mois et j'ai envie de dire ma scolarité. Parce que je me suis dit, je suis passionné de ça, mais un adulte me dit ça, sachant qu'il est prof, donc forcément il a raison, parce que c'est comme ça que je réfléchissais. Du coup, il faut que je pense à faire autre chose. Et j'étais perdu, et je savais pas quoi faire. Et j'avais presque plus de rêves, plus d'objectifs et plus d'espoir de faire un truc. Et c'était vraiment compliqué, c'était vraiment dur, c'est vraiment bizarre, hein, mais j'avais vraiment plus d'espoir de faire un truc que j'aime en fait. C'était dur. Parce que oui, hormis d'être footballeur comme tout le monde, bah, je voulais avoir un métier cool. Mais mon métier cool, on m'a dit, c'est pas possible. Donc voilà, ça, faut vraiment faire attention. Et je sais que les jeunes, maintenant vous avez accès à YouTube et tout, c'est des gens comme nous. Ça, c'est bien. Eh ben, faites attention. T'as un rêve, t'as un projet, t'as un objectif, fonce. Sachant que tous les métiers que moi j'ai énumérés là, créateur, architecte et agent immobilier, tu fais une formation, tu deviens agent immobilier. C'est très rapide en fait. C'est très rapide. Il y a des études dans l'immobilier à faire, mais regarde toutes les annonces qu'ils recherchent en tant qu'agent immobilier, c'est incroyable. Avec mon expérience en commerce en vente, je peux devenir agent immobilier. C'est incroyable. J'ai même postulé dans le truc d'agent immobilier, ils m'ont appelé, j'ai fait des entretiens et tout, mais j'ai refusé parce que voilà, ça m'intéresse plus. Mais tu peux devenir agent immobilier, ça c'est bien.
architecte, tu peux te former. Sur des sites, des logiciels, tu peux te former. Sur YouTube, tu as des vidéos gratuites et ça, c'est bien. Et même pour l'audiovisuel, même pour la vidéo. Tu vois, il y a des écoles de cinéma, c'est hors de prix, c'est cher, c'est super cher. T'es pas obligé d'y aller. T'es pas obligé de demander à tes parents de payer la somme astronomique pour pouvoir faire cette école. Va sur YouTube, il y a des vidéos. Moi, j'ai tout appris sur YouTube. Il y a des vidéastes indépendants qui ont même pas fait des écoles de cinéma ou alors ceux qui ont fait des écoles et qui t'apprennent des choses. Et t'as l'avis de plusieurs personnes, t'as plusieurs profs. T'as la base jusqu'à les techniques professionnelles et après tu t'inspires. Tu vois, tu prends ton logiciel sur ordi, si tu l'as pas, s'il est payant, eh ben, tu vas voir des chaînes qui te montrent comment avoir ce logiciel-là et c'est parti. Tu commences à travailler. Après, voilà, faut travailler pour acheter sa petite caméra ou demander de l'argent si tu peux. Et là, tu fais tes sous. C'est comme ça que j'ai fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une alternative. Internet, maintenant, tu peux tout faire. Vraiment. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette story time. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, un abonnement aussi sur ma chaîne principale et secondaire. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.